Et coucou tout le monde. Hop. Alors du coup, là il est midi 10, moi je vais partir. Hop, je confirme mon Uber. Et Liora, elle va déjeuner avec son papa, elle va passer la matinée et le début d'après-midi avec son papa. Et je suis super contente. Et moi je vais déjeuner avec la team Octoly qui m'ont invitée. Hop. Du coup, programme de la journée, c'est donc déjeuner. Je rentre, je vais faire les cours, je vois où est Liora, mais je pense qu'elle sera encore avec son papa. Mais elles sont là les chaussures, chérie. Hein? Elles sont dans l'armoire à chaussures. Non, les autres, chérie. Tu peux pas mettre celle-là aujourd'hui. On n'a pas les chaussettes. Les autres, les hugs. Ouais, celle-là, c'est bien. Et voilà. Et c'était vraiment trop, trop bien hier. Si vous voulez voir un petit peu ce que j'ai snappé, allez voir donc sur mon snap qui est lbdb2401. Ça, c'est mon snap. Et du coup, j'ai snappé la journée d'hier vu que je ne vlog pas le dimanche et que franchement, j'aurais pas eu la force de monter le vlog hier soir. Non, c'est pas celle-ci, chérie, c'est les autres. Hop, viens. Viens voir maman. Viens voir maman. Donc là, du coup, je pars dans 5 minutes. Loïs, t'es prêt? Ouais. Mais du coup, je vais vous faire une vidéo sur Loïs et moi. Comment s'est rencontrés, comment s'organise à la maison et tout ça. Je vous expliquerai un petit peu. Parce que c'est pas conventionnel non plus. Voilà, sinon mes sourcils, ça avance bien. Je suis contente, hein, ça évolue bien, c'est de plus en plus naturel. J'ai pas trop de croûtes, je sens que là j'ai des petites croûtes, mais j'en ai pas beaucoup. Ça me tire encore un peu, enfin je vais peut-être appeler pour demander si c'est normal, mais ça me tire encore là. Et là il va falloir y aller. Il va falloir y aller. 3 minutes de temps. Merci mon ange. Allez, on se retrouve dans le Uber. Est-ce que tu sais sourire mon amour? Non. Et tu le fais exprès, hein? Ouais. Regardez comme elle est trop mignonne avec son sac à dos. Au revoir bébé. Oh, c'est quoi ces petits yeux d'amour? Viens mon ange. Allez-y mes petits cœurs. Elle est tellement mignonne avec son petit sac à Dominique qu'elle a voulu prendre. Allez bisous mes chéris. Bye bye. Au revoir. Bah, ça y est, je suis arrivée au pain quotidien. Il y a déjà une partie de l'équipe Octoly. On va s'installer, on va bien manger. Soirée, quoi. Soirée, ouais. Avec des DJ, des gens partout. Et du coup, des trucs que vous avez envie de vous amuser aussi, quoi. Faire la fête, quoi. Quand vous êtes entre influenceuses pour essayer de manger une gaufre, ça devient tout de suite une grosse galère. Chacun y va de sa petite photo. Le déjeuner est terminé, du coup là je suis dans le Uber pour aller récupérer Eliora au resto de Papa Loïs vu qu'il a un rendez-vous de dernière minute, donc je suis un peu partie comme ça vite fait. Donc là Paris un petit peu bouché comme d'habitude, mais bon, on avance doucement mais sûrement. Et après il va falloir rentrer sans poussette et Eliora elle veut pas marcher pour 2 minutes. Elle aime pas marcher comme ça dans la rue, elle aime plutôt courir au parc et tout ça, mais bon, on va voir. Et voilà, j'ai retrouvé ma poupée. Mon amour. Encore un gâteau? Oui. C'est l'heure du goûter? Gâteau. Encore un gâteau à la framboise? Oui. Tu te donnes? Tu veux lui redonner? C'est des pailles d'or qu'elle mange, elle adore. C'est la voisine qui te l'a apporté, chérie. Elle nous a apporté un paquet de gâteaux parce que je lui avais donné des boulettes. C'est gentil. Bon là, on va faire ton calme parce que ce soit elle ou moi, on est explosés. Et puis, je vais essayer de vous monter, en profiter pour vous monter une vidéo et vous la mettre en ligne. On va voir si j'y arrive pour qu'il y ait quand même quelque chose aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a mis là? Mia, elle a un bobo les pieds. Mais je pense que ça va mieux aujourd'hui. Tu crois qu'elle a encore bobo? Oui, elle a un bobo. Il y aura elle veut de l'eau, moi je vais préparer à manger, je pense que je vais faire une quiche. Tu veux de l'eau? Bah viens ici, ça c'est propre. Tu veux que j'allume dans l'entrée, c'est ça? Voilà. Alors de l'eau pour bébé Ellie. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Je vais fermer la fenêtre par contre. Ouais, donc ce soir je pense que je vais essayer de faire une quiche. Pas une quiche Lorraine. Car nous ne mangeons pas de lardons, mais je pense une quiche soit nature au fromage, quoi, soit
soit une quiche aux gruyères, soit aux oignons, je veux dire, je sais pas. Tiens chérie, hop, tiens de l'eau. De rien mon ange. Bon, en fait, je vais tenter une quiche à ma façon. J'aime pas quand Image fait ça, mais ça arrive dans ma cuisine, je suis désolée. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la pâte à pizza que j'avais faite et que j'ai congelée. Je vais l'utiliser pour faire la pâte de la quiche. Je prends un plat avec un rebord, puisque la quiche, avant d'être cuite, elle est liquide. Du gruyère râpé, de la mozzarella, des œufs, de la crème et du lait. Je vais mettre tout de suite mon four à chauffer. Je pense que je vais le mettre à chauffer à 200 degrés tout simplement. Et puis on se retrouve pour la cuisine de maman Becca. Pourquoi il met le four, maman? Bon, tu veux que je mette au four la pâte d'abord? Donc j'ai pris ma pâte, j'ai refariné. Oh, je vais faire une boule et je vais l'étaler. Et pour. Il y en a partout. Il y en a partout, mais c'est normal, c'est la farine, chérie. Et partout. Oh, il est mouillé. C'est mouillé par terre, chérie. Donc, étaler la pâte assez finement, assez grande, elle a été décongelée donc elle va être plus dure à étaler. Hop, faut de la force pour étaler une pâte, surtout quand on l'a congelée. Elle est encore un peu froide en plus, mais ça va pas, maman elle va y arriver. Je veux qu'elle soit fine parce que c'est pas bon quand c'est épais, surtout dans la quiche. On la met, on l'installe bien, elle est bien fine, c'est cool, elle est comme je voulais. J'installe bien. Ça tombe. Ça tombe les amis, ça tombe. C'est pas grave. Voilà. Bon, on va dire que ça va comme ça. Voilà. Hein, il en reste un petit peu. On met de côté si jamais on a besoin. Hop. Maintenant que la pâte est étalée, en fait je vais simplement mélanger tous les ingrédients liquides, c'est-à-dire le lait, la crème d'Isigny, Normandie. Et les œufs, je mets 3 œufs, un peu de crème, je vais faire un peu au feeling. Je vais pas la faire très épaisse parce que bah, il est déjà l'heure de manger en fait. Donc je voudrais limiter le temps de cuisson, sachant qu'on est que 2 en plus. Donc voilà. C'est parti pour tout mélanger. Je vais commencer par le lait. On le sent, on le goûte. Il est bon ce lait. Il est super bon ce lait. Je comprends pourquoi Ayora elle veut plus prendre le lait de croissance, elle veut ça. Le lait bio. Bon, il en reste plus beaucoup dedans, donc je vais tout mettre. Hop, ma crème d'Isigny. On la sent. On la goûte. Celle-ci, elle est bonne. Je vais mettre une cuillère. Hop. Et deux, soyons folles. Pour rendre ça moelleux. Hop. Je vais déjà mélanger. Ah, c'est tout qui part, tout qui s'envole. C'est la folie. J'ai déjà mélangé comme ça la crème et le lait. Voilà. Et je vais y ajouter les 3 œufs. Ça te fait rire. Un œuf. Un deuxième œuf. Un troisième œuf. Et voilà. Et je vais tout bien mélanger. J'ai d'abord mis le four à chauffer à 200 degrés d'ailleurs. Je pense que je vous l'ai dit, mais je sais plus. Donc là maintenant il doit être chaud. Ensuite je vais y ajouter l'emmental. Alors moi j'en ai plus beaucoup, du coup je me suis dit que j'allais ajouter de la mozzarella vu que je m'en suis servie pour faire la pizza. En fait je vais prendre un morceau et je vais découper des petits carrés, des petits bouts dedans. Hop. Tout simplement on fait comme ça. Si vous êtes petite ou petit, faites ça avec vos parents hein, si vous voulez le refaire. Bah déjà on va attendre la fin de la vidéo, voir si la recette est réussie ou si c'est pas bon, c'est dégueulasse, on veut pas en manger, je sais pas. Je sais pas, hein, des fois on fait des trucs, ça marche pas. Bon là normalement il n'y a pas de raison, hein, du lait, de la crème, du fromage, normalement ça marche à tous les coups. La pâte est bonne puisque je l'ai déjà goûtée, mais je l'ai déjà goûtée que sous forme de pizza. Donc ça, et moi je vais mettre mon ingrédient cool du moment. C'est ça en fait, je vous en parle depuis longtemps. Enfin je vous en parle à chaque fois que je l'utilise quoi. C'est le mélange parfait assaisonné persillade de chez Magie. J'en ai un qui est déjà ouvert. Je vais mettre ce qui reste. J'ai oublié de faire un truc. Ce que j'ai oublié de faire c'est ça, il faut piquer en fait la pâte, le fond, pour qu'elle puisse cuire correctement. Hop. Allez-y hein, on ne lésine pas sur le piquage. Donc voilà, c'est piqué.
Je vais maintenant y ajouter le mélange. Dory, elle est partie. Mais il faut la retrouver alors. Bon, allez, c'est parti. Nous, on va mettre le mélange là-dedans. J'ai la mozzarella qui est coincée dans le truc. Voilà. Oh, j'en ai mis partout. Bon, de toute façon, il faut toujours nettoyer. C'est fait. C'est pas trop épais, ça devrait aller. C'est liquide, c'est normal. On met au four pendant 20 à 30 minutes. Et si elle est grosse, vous pouvez bien mettre une heure. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une cuisson pendant 20 minutes. Et au bout de 20 minutes, je viendrai voir si c'est cuit. Bon, j'ai eu une idée. Avec le petit bout de pâte qui reste et de la mozza qui me reste, je vais tenter un truc tout nouveau. Je me suis dit que j'allais étaler ça. Pas trop finement non plus, mais quand même. Voilà. Que j'allais prendre un joli bout bien épais de mozzarella, comme ça. Et que j'allais le recouvrir de pâte. On tire bien la pâte pour qu'il soit complètement recouvert. Voilà. Et que je vais le mettre au four comme ça. Je vais peut-être faire genre ce qu'on appelle une cheminée, genre un petit trou là. Une petite ouverture dans la pâte, comme ça. Voilà, on va faire comme ça là. Et je vais le mettre au four. Si vous avez du jaune d'œuf à dispo, utilisez un jaune d'œuf pour le faire dorer au four. Mais moi je vais le mettre comme ça. Bon, les 20 minutes sont passées. Allons voir. Allons voir. Mais j'ai un petit peu peur. Je vous montre quand même. Regardez. Qu'est-ce que vous allez voir? C'est presque cuit, c'est encore un petit peu liquide. Sinon, il y a eu quand même un drame, c'est que c'était tellement liquide et ma pâte tellement fine que c'est passé au travers. Mais avant, j'avais pas mis la plaque, du coup, il y en a plein dessous. Donc en gros, c'est le gros fail du moment. Mais après, ça marche très bien parce que ça a fini par prendre, quoi. Mais j'aurais pas dû faire la pâte aussi fine, mais je voulais qu'elle soit fine parce que c'est meilleur, nanani, nanana. Et comme ça, un moule qui s'ouvre, et bah c'est passé au travers. Voilà, c'est pour ça. Si ça n'avait pas été un moule qui s'ouvrait, ce serait pas passé au travers. Bon, je mets 10 minutes et on va voir. Mais j'ai peur que pendant 10 minutes, ma pâte, elle va être trop cuite, la pâte autour. Bon, c'est pas très grave, la pâte autour, je la retirerai. Bon, au moins, les erreurs qui ont été faites aujourd'hui ne seront pas faites la prochaine fois. Mais ça, là, ça a l'air trop bon, ça. Allez, ça sonne. Mais ça a l'air pas mal, hein. Bon, la pâte est trop fine, hein, c'est passé, j'avais fait trop fine, c'est passé, je sais pas si vous allez voir, mais c'est passé au travers là. Mais bon, ça a l'air pas mal, hein. Ça a pris, ça, c'est tout moelleux. Je vais la démouler, la mettre sur une assiette et puis servir tout le monde. Voilà le résultat final. Je vais servir une petite part à bébé Ellie, c'est très chaud, donc une toute petite part que je vais couper. Je vais faire pareil pour moi. Bon, bah la clôture du vlog, elle sera un petit peu moins mignonne que d'habitude puisqu'Eliora s'est endormie en 2 secondes et demie. Le temps que j'allais chercher la tétine, elle dormait déjà. Donc il y aura seulement moi qui vais vous dire bisous les filles, bisous les garçons et gros bisous à tous mes pandas. Je vous aime fort.